Et bien salut à tous et à tous, c'est leur numéro. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre série sur Minecraft Cities. Donc on s'était laissé la dernière fois sur le fameux fast food, le Blood Burger. Donc là on va un petit peu changer de thème, enfin beaucoup, c'est pas du tout la même chose. On va sortir la nourriture, tout ça. On va passer, comme vous avez vu dans le titre, à l'hôpital ou l'hospital, comme j'aime bien l'appeler, version anglaise. Donc, on va passer un petit peu pour voir un petit peu où on en était. Donc là, on avait fait la mairie, que vous voyez depuis maintenant 5 épisodes. Le shop aussi, qui me laisse perplexe. Je vais peut-être le changer à un moment où je verrai bien. Le grand building, pas le building principal, je le rappelle. C'est un building comme il va en avoir d'autres. Ce ne sera pas tous les mêmes. C'est juste pour vous donner une idée. Là, le parc, le fameux parc. Et là, le Blood Burger, le fast food de la ville, sans qu'il n'y en aurait qu'un dans la ville, et un seul restaurant, comme un seul hôpital et un seul shop. Bien sûr, le shop sera modifié, j'imagine. Voilà, l'intérieur, j'ai un petit peu changé. Ça, je l'ai mis en hauteur. Voilà, comme des. J'ai oublié le nom. Et j'avais pensé aussi à mettre. Est-ce que je vais le trouver? Ouais, là. À mettre ça. Hop, voilà. Ça fait bien comme ça. Donc les bornes pour payer via carte bancaire, via des bornes quoi, pour payer s'il y a trop de monde. Voilà. Ah voilà, j'aime bien ce fast food, pas trop mal. Et on va passer à l'hôpital. Donc j'ai déjà fait l'emplacement, j'ai déjà fait un petit peu le périmètre que j'imagine que je vais faire. Alors voilà, je vais le faire ici parce que là, je vais plus m'écarter vers la gauche et vers la droite qu'au bout, sachant que là-bas normalement il y a un village, donc j'essaierai de l'enlever. Ouais, là on voit un petit peu, voilà, on le voit. J'essaierai de l'enlever pour éviter de. Aussi, si vous avez des suggestions pour faire la fin de la ville, je veux dire en gros, parce que ça va être du plat et ça me voit pas qu'on voit le mec qui voit que du plat quoi dans la map. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Je vais penser à une grande muraille, mais bon, alors voilà, je vais réfléchir. Donc on revient à l'hôpital, voilà, j'ai délimité le périmètre aussi, j'ai mis des passages piétons un petit peu partout. Et voilà, voilà comment ça va rendre avec ces blocs là. Avec ces blocs là ici, ça va être, ça va faire 3 comme ça, un petit peu autour, tout autour. Et ça va être, ça va monter jusque là-haut, voilà. Sachant que ça va être aussi un élément de décor sauf une pièce, enfin quelques pièces, mais pratiquement toutes les pièces ça va être un élément de décor, donc je m'embêterai pas à faire l'intérieur. Là, je vais faire les pièces d'intérieur. Et enfin, d'abord, je vais faire la structure autour. Et je vais faire les pièces intérieures. D'abord, je vous montrerai quand j'aurai fini autour. Et je ferai les pièces intérieures. En off. Bon, voilà, on se retrouve dans, dans le prochain épisode. D'accord, ok. On se retrouve tout à l'heure. Enfin, tout de suite pour vous, mais tout à l'heure pour moi. Allez, la bise. Kiss. Alors tout le monde, bon, j'ai enfin terminé. Bon, ça fait un petit peu un blocos, comme je vous ai dit, je vous ai juste montré un petit peu comment ça allait rendre vu quand j'aurai fini de poser tous ces blocs. C'est long, très long. J'en ai bavé, mais bon, j'ai essayé d'installer WordEdit, c'est impossible. Enfin, c'est possible, il y a une possibilité de le faire. Mais quand c'est des gens qui te font une vidéo, qui te mettent un lien qui ne marche plus, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ici je vais faire un petit escalier, je pense, je verrai comment je vais faire un petit escalier qui va monter jusque là, ça. Ouais, un petit truc, je verrai bien. Et la porte pourra être là comme ça ici. Un petit peu plus à déplacer, déplace comme ça. Et le sol, on va bien sûr le faire en quartz. Bon, c'est pas du tout éliminé, mais bon, on va un petit peu casser le truc si vous voulez. Hop. Ça va un petit peu plus éliminé, voilà, comme ça, comme ça on y voit quelque chose, voilà. Donc oui, le sol, je vais sûrement le faire en quartz. Parce que tout est blanc dans l'hôpital. Et les salles, je les ferai du même matériau que le sol. Voilà, bon. Je vais remplir tout ça de quartz. Je vais faire un petit peu les étages. Bon, les étages qui vont servir. Je pense que
Je vais faire deux étages, donc un escalier et tout ça, je vais faire deux étages. Et puis en haut, je vais rien faire, je vais tout refermer comme ça. On fera de la déco. Bon voilà, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite. Enfin, pour vous tout de suite. Ah ouais, aussi je voulais tester quelque chose en même temps pendant que vous êtes là. Je sais pas si ça serait mieux. Ouais, on va faire comme ça. Parce que comme ça va repousser un petit peu le carré. Parce que voilà. Carré, c'est assez galère. Voilà. Comme ça. Tous les côtés. Et là, bien sûr, je ferai un beau petit H entouré. Ça va bien le faire. Bon, on se retrouve les gens tout de suite. Et je vous dis bis. Allez, bis. Eh ben re tout le monde, c'est bon, j'ai terminé de faire très bien, toutes les vitres et de mettre les places de parking emergency des plaques de police, d'accord? Des places pour les ambulanciers juste devant l'hôpital et des petites places ici pour les gens qui viennent voir, qui viennent visiter, faire la visite aux gens qui sont dans l'hôpital, sachant que normalement ici ou là, je vais mettre un parking. Peut-être pas ici, parce qu'ici ça fait vraiment une grande place. Je verrai ce que je peux faire ici. Ou à moins un grand parking. Je verrai ce que je pourrais faire. Mais c'est vrai que le parking serait tellement bien placé ici. Mais bon, voilà ce que j'ai fait pour l'instant de l'extérieur. On va aller voir l'intérieur right now. Alors, ici ça va être la réception. J'ai enlevé tout ce que j'ai dans mon inventaire. Ça sert strictement à rien de tout garder. Ça va être la réception, il va y avoir ici des gens, ici des salles ici d'attente. Ici, ça va être déjà deux deux endroits pour mettre des lits d'hôpital, je sais plus comment ça s'appelle du tout, j'en m'en excuse. Ici aussi, deux cabines, on va appeler ça des cabines entre nous. Et voilà comment ça va se présenter. Comment ça va se présenter les choses? On va d'abord faire une cabine. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cabine avec vous, avec un petit peu toutes les cabines vont se ressembler. Je ferai les autres cabines en off et je vous montrerai dans le prochain épisode qui sera sûrement l'épisode du parking. On va prendre un lit d'hôpital, sachant que maintenant le problème. Enfin, après, on pourra peut-être changer sa texture avec Az. Mais bon, hein, le tas de problèmes. On va prendre ça. Ça passe? Est-ce que ça... Non, ça va pas, je crois. Après, ce qu'on peut faire... Allez, ce qu'on peut faire, c'est ça. Mais en fait, tout est blanc dans un hôpital. Ça peut... C'est un petit peu chiant que tout soit blanc. Et on va prendre... Non, vous savez quoi? On va mettre un lit. Deux lits, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on va pas s'embêter. Ou un lit. Un lit, c'est bien. Un lit juste là, ce qu'on peut mettre, c'est des chaises. Des petites chaises pour les personnes qui vont venir voir. Des chaises rouges. Parce qu'il n'y a que ça qui est bien. Voilà. Voilà. Et on peut même mettre la télé en haut. Donc on va prendre un item frame. Un item frame. Hop. Avec un lock. Ah non, on peut prendre un item frame, qu'est-ce que je raconte? On va prendre un painting. Voilà, la télé. La belle télé. Voilà, bah déjà, ça rend pas trop mal. On va, hop, faire une vitre comme ça. Est-ce qu'on peut faire aussi... Je voudrais mettre... Comment je pourrais bien rendre ça, ça comme ça? Voilà, en gros ça c'est un truc qui tient le patient, vous voyez. Voilà, on va faire un petit peu des salles comme ça avec pratiquement d'accord. Par contre là on va mettre des portes. Non, ça fait pas du tout porte d'hôpital. Est-ce que cela font porte d'hôpital? Ouais, non, ça fait porte. Porte de prison, ça c'est vrai. Non, ok, aussi, pas du tout. On va essayer avec ça. Non, on va pas se préoccuper des portes pour l'instant.
Attends. Excellent. Donc voilà, en gros, comment ça se présente un petit peu dans toutes les charmes. Je vais pas représenter truc pour truc, mais voilà, un petit peu. Voilà. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce qu'on pouvait faire dans les chambres. Bon, c'est vrai que là, c'est assez chaud dans la télé. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre la télé là. Ça comme ça ici, voilà comme ça, et la télé juste là. Je l'ai complètement oublié, mais c'est vrai que ça rajoute un petit peu plus de réalité en même temps, ça voilà. Et la chaise de quelqu'un qui visite, qui attend, et la chaise voilà comme ça ici. Ah, pas mal, c'est pas trop mal. Je m'occuperai des chambres d'en haut plus tard. Maintenant on va s'occuper de la réception ensemble. La réception, d'abord on va mettre des trucs, des trucs. On va mettre des trucs. On va mettre ça. Là, voilà. Déjà la réception, je veux que ça soit grand. Comme ça. Voilà. Voilà. Un truc comme ça. Avec des chaises en bois. Parce qu'il y a pas de chaises en noir. Voilà. Avec des ça, c'est pas mal ça. On va mettre un ordinateur en pierre. Tout le monde aime bien les ordinateurs en pierre. Voilà. Voilà. Comme ça. Ici, ici. Enfin, on va rajouter des plats de réception. Voilà. Voilà, bah c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et si on va mettre une petite table en bois. Voilà. Ah, plutôt là, ici. Petite table de 4. Voilà. Pour les. Voilà, comme ça. Et des chaises en bois, exactement pareil. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Même voilà, ce qu'on peut faire, c'est mettre des chariots. Ouais, mais je sais pas, je saurais pas du tout comment faire. Faudrait que je vois une manière de faire des choses. Mais bon, voilà comment ça peut rendre. Ah, ça aurait plus qu'à ça, mais que c'est ça comme ça. Voilà, ça fait un petit arrondi en plus. Et là. Voilà, bon, c'est pas trop mal, surtout que c'est pas là que tout va se passer. Surtout, comme j'ai dit, dans la mairie, le shop, le fast food et le parc, c'est un petit peu les choses que je vais en premier. Le building, pas tellement, c'est un élément de décoration. Mais là, on va plus se fier au. Parce qu'en fait, je sais pas encore le scénario. Donc, moi, je trouve que là, c'est assez plein. Sans que après, je pense qu'il y aura des personnes, donc ça remplira un petit peu plus. Et surtout, plus d'éléments de déco à faire. Et voilà, comment ça peut rendre pour l'hôpital. Je peux même mettre un H en laine, ce qui va rendre un petit peu plus beau. Un H en hauteur comme ça. Un H mis comme ça, c'est parfait. Et ce qu'on peut faire aussi sur le toit, c'est. Prendre ça et ça et faire voilà comment ça fait pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que je veux faire. Et bah vous êtes un culte. Je vais faire un truc d'hélicoptère. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Je ne vais. D'accord. Je vais pas faire d'hélicoptère, mais marquer le beau petit H. Bien sûr. Ah là là.
c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout comme ça. Aussi, ouais, j'ai plein de projets pour cette map, hein. Il y aura bien sûr un aéroport, une gare de train. Une gare de train, ça va être assez chaud parce qu'il n'y aura pas de métro. C'est une map flat. Donc, il n'y aura pas tellement. Ça tout simplement. Toujours et encore as. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Voilà. Voilà. De toute façon, ça sera pas vu à l'œil nu. C'est juste pour en dire de. Voilà, de faire une déco. Parce que je pense que vu de là-bas, vu de l'Amérique, comment ça rend? Ça rend vraiment pas mal l'hôpital. J'aime bien. Très beau truc. Et voilà, les gens, bah, on se retrouve la prochaine fois, peut-être pour le parking ou peut-être pour autre chose. Ça dépend si j'ai des idées. Parce qu'en fait, il faut que je trouve des idées. Il y aura bien sûr des églises, des restaurants. Il y a plein de trucs à faire. Mais il faut que je trouve aussi ma capacité de faire les choses et quoi faire en fait. Donc voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Kiss tout le monde. Bye bye.